Hey. Alors, on est là pour une vidéo pour le sac de braquage. Je sais pas si on a vu sur la vidéo, mais j'ai redémarré ma console en faisant L1, R1 au démarrage pendant les sirènes. Et du coup, maintenant c'est nouveau, j'ai l'impression on peut directement aller en ligne. J'ai appuyé sur carré. Et du coup, après avoir fait L1, R1, c'est assez important de le faire parce que la technique pour sortir le sac avant je le faisais pas. Et j'arrivais à sortir le sac, là j'ai essayé plein de fois, impossible. Je fais L1, R1 et direct je sors le sac. Donc allumez votre console en faisant L1, R1. On arrive en ligne, donc je suis déjà en position. Là. Essayez de ne pas avoir de parachute, c'est important, parachute grisé. Donc si vous l'avez, vous appelez un hélicoptère, vous sautez de l'hélicoptère et vous le dégagez. Du coup dans parachute, vous n'avez pas de parachute, c'est grisé. Donc L1, R1, pas de parachute. Et après, si vous voulez, ça c'est pas une obligation, mais moi je le fais quand même. Je m'inscris en PDG et je vais mettre la tenue démon. Alors désolé si j'ai une petite voix ou pas, je suis malade à crever. Donc style et on met le démon. Donc une fois qu'on a rallumé la console R1 et dans R1. On s'est mis en PDG et qu'on n'a pas de parachute, on commence la manip. Donc on se met toujours, on lance l'activité, flèche de droite et on va en histoire. I'm going, man, before you take advantage. Donc moi je désactive la sauvegarde automatique, j'aime pas trop ça. Donc c'est pour sortir la tenue qu'on a déjà bien sûr. Faut la trouver dans le mode réalisateur, la sauvegarder avec un masque qui tient comme là. Une fois qu'on l'a, on fait la manip. Donc là, je vais faire mon double PS et je vais préparer une activité récente. Alors là, c'est bon. Mon activité récente est préparée sur mon double PS. Donc là, le but du jeu, c'est que je vais sortir mon oiseau une fois. Je vais revenir à la caravane, je vais ressortir. Je vais me replacer devant l'université. Et après, en fait, quand je vais voler, je vais ouvrir le pavé tactile, me mettre prêt à quitter le mode réalisateur. Et dès que je vais arriver tout près du mur, je vais cliquer sur croix pour lancer le quitter le mode réalisateur. Et une fois que je dis cliquer sur croix, je fais deux fois PS pour que ça m'ouvre le menu de PlayStation 4 où il y a écrit lancer l'activité GTA Online. Et une fois deux, je vais pas faire rond une seule fois, je vais faire rond plein de fois et assez rapidement. Et ce truc-là, je vais le faire trois fois de suite. Et une fois que j'aurai fait ça trois fois de suite, je vais le faire une quatrième fois. Et je ferai plus rond, je ferai croix pour valider tous les messages. Donc on est parti. Et pareil, quand vous validez les messages, il faut être assez rapide. Si vous êtes lent, ça peut vous ramener soit dans la caravane ou soit à Franklin. Et pareil, si vous n'êtes pas assez près du mur, ça peut vous ramener soit dans la caravane, soit à Franklin. Et pareil, si ça vous ramène souvent à Franklin, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas assez buggé avant. Il faut vraiment faire les. Ce que je fais moi, les double PS, croix, rond, 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 plein de fois, là, je le fais trois fois. Au début je le faisais deux fois et en fait j'ai vu que ça crée des bugs, du coup je le fais trois fois et s'il faut le faire quatre fois bah, je le ferai quatre fois. Mais plus vous le faites et mieux ça marche. Et si vous faites pas ça, c'est normal que vous n'y arrivez pas. Donc on est parti. Donc je sors avec l'animal. Et là, je vais tout simplement l'envoyer dans le mur. Je reviens à la caravane. Et tout ça, c'est obligatoire. Si vous le faites pas, vous n'aurez pas les mêmes bugs que moi et ça marchera pas tout pareil. Donc on ressort.
Là, on fait le pavé tactile. On va à gauche dans les lieux et on clique sur croix sur Los Santos University pour se remettre à la place. Donc là, on est bien placé. C'est à partir de là qu'on va faire trois fois les manips du croix rond. C'est-à-dire croix pour valider le message quitter le mode rivateur, WPS, croix rond. Donc c'est parti. Donc là, croix. Et là, je valide pas, c'est rond. Donc on l'a fait une fois, on est reparti pour la deuxième. Donc on l'envole, on ouvre le pavé, croix et rond plein de fois. Donc c'est bien croix devant le mur, double PS, croix, rond. Donc on l'a fait deux fois, on fait la troisième. Donc là, on l'a bugué trois fois. Si vous n'êtes pas sûr que, par exemple, à chaque fois que vous le faites, vous n'y arrivez pas, bah, buguez-le trois fois, quatre fois, cinq fois. Et faites le croix-croix-croix qu'au bout de 5-6 fois. Donc là, moi, je vais faire le croix-croix-croix au bout de 4 fois. Donc la quatrième fois, on est parti. Donc là, bugger trois fois, quatrième fois, ça marche, comme souvent. Faut être assez rapide dans les croix-croix ou les ronds-ronds. Donc là, chargement en bas à droite, je fais double PS croix-rond. Donc après avoir fait un double PS croix-rond sur l'activité, ça m'a rejeté ici. Là, je fais pavé tactile, je vais en mode réalisateur. Pas dans le mur à vous bugger comme moi je viens de faire. Et que vous en avez marre, que même vous avez beau faire croix rond comme moi 4, 5, 6 fois et ou la 7ème fois quand vous faites croix croix ça marche toujours pas, ou que ça vous rejette une de ses sous, allez du côté de la mer et faites exactement la même chose mais sur l'eau en fait. Au lieu que ce soit un mur en béton, vous prenez l'eau comme un mur d'eau en fait, et dès que vous arrivez face à l'eau, vous faites la même manip. Et c'est fort possible qu'en passant de l'université à l'eau, ça passe que ça marche en fait. Pour beaucoup ça a marché, donc si vraiment ça vous énerve le mur, allez dans l'eau. Et vice versa, si vous avez l'habitude de le faire avec l'eau et que un coup ça marche pas, allez dans un mur. Donc là on va dans les favoris. Je me répète, hein, j'allumais en faisant L1 R1, c'est assez important je pense, pour sortir le sac en tout cas, pas pour la manip là qu'on fait, mais pour au moins sortir le sac et l'avoir en ligne. Enlever les parachutes, là, que ce soit un parachute grisé. Et moi en plus je me mets en sécuro serve et en démon, je pense que c'est qu'un plus, mais je le mets. Du coup, on va sur la tenue. Moi, je fais rond, accéder au mode réalisateur. Du coup, on quitte. Et quand je vais valider le message, je vais faire double PS croix rond pour me débugger, sinon je vais encore être bugué. Donc après mon double PS croix rond, ça m'a débugué. Je fais start en ligne, session sur invitation. Et hop.
Donc voilà. Tout à l'heure, j'ai fait trois fois le test pour sortir le sac. J'ai jamais sorti. Hein. Impossible. En mettant la tenue Sekiro, tout ce que vous voulez. Impossible à sortir. Et du coup, j'ai réteint la console et j'ai fait MAR1. Et je l'ai eu du premier coup. Du coup, j'ai réteint la console et j'ai rallumé en faisant la vidéo. En faisant L1, R1. Et c'est bien ça qui fait qu'on a le sac ou pas, j'ai l'impression. Si bien j'ai l'impression parce que ce glitch c'est vraiment aléatoire. On a toujours l'impression 2, puis le lendemain on se rend compte que. Donc voilà. J'espère que mes explications ont été claires parce que je suis vraiment pas bien, j'ai vraiment la crève. Donc j'ai une voix un peu bizarre et je parle peut-être un peu vite et un peu mal, mais bon. Dans l'idée, vous aurez compris que le but de la vidéo c'était de faire L1 R1 au démarrage, de surtout enlever le parachute, d'avoir un parachute grisé, c'est très important. Et en plus, vous pouvez rajouter le coup du Sekiro Serve et du démon. Et du coup, comme ça, ça vous fait un sac. C'est marrant ça, ce bug de la côte là. Bon, allez, pour la vidéo, je vous fais une petite descente. Alors, petite explication aussi. Si vous voulez être tranquille, je vais me bloquer là. Baisser ma radio. Voilà, alors quand vous êtes au magasin en bas, si vous faites le mode réalisateur, pour monter tranquillement, vous avez un chemin, si vous partez de là, là à peu près, là je crois, de là, vous pouvez monter tranquillement par là. Et sinon, si vous partez de là, vous pouvez monter tranquillement par là. Si vous montez là, là c'est impossible. Et si vous prenez la route normale, vous en avez pour 10 ans. C'est une petite astuce que je peux vous donner pour être plus rapide pour monter là en ce moment, là, mon Chilliade. Par contre, il vous faut une voiture comme la mienne, une voiture assez puissante. Sinon, je peux vous dire que vous allez galérer. Allez, on va faire un petit saut. Le petit saut du moment, vu que la course contre la montre est là en ce moment. On s'amuse comme on peut. C'est parti. Donc bien sûr on peut pas l'enregistrer ici, hein. Faut faire la manip que j'ai déjà montré dans ma petite vidéo. Je pense que c'est un peu inutile que je la remonte. Mais je tenais à faire cette vidéo pour que vous voyez que si vous faites L1 R1, vous aurez plus de chances d'avoir le sac. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon jeu. Amusez-vous bien. Salut.